Ils se sont regardés en chien de faïence toute la nuit à Kiev. Les manifestants anti-gouvernementaux ont alimenté d'immenses feux à l'aide de pneus sur leur barricade rue Grouchevski, près de la place de l'Indépendance. Ils se sont aussi fait entendre. Face à eux, les forces anti-émeutes n'ont pas fermé l'œil de la nuit, elles non plus, et ont utilisé de puissants projecteurs pour percer les épaisses fumées noires. Des manifestants ont envoyé pavés et cocktails Molotov vers les forces de l'ordre. Les policiers ont tiré des balles en caoutchouc et grenades assourdissantes. Cette artère abrite le siège du gouvernement et le Parlement. Elle a été le théâtre des affrontements violents il y a quelques jours. La trêve instaurée jeudi semble bien fragile. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que 3 policiers avaient été attaqués. Les manifestants ont nié toute implication dans ces attaques.